Et yop tout le monde, c'est Delta Dracon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Beach Press Souls. On se retrouve pour les traditionnels petits pools de tickets premium, comme je fais habituellement. Donc on va partir en x100. J'ai réfléchi tout à l'heure et j'aimerais bien faire tomber un jour le Tesla Vitesse, qui est excellent. Mais bon, après ça c'est la RNG. Hop. Bon, le tout c'est quand même de faire tomber un personnage à chaque fois dans les vidéos, hein, c'est le minimum syndical qu'on veut. Sinon, vous avez des showcases un peu random en ce moment parce qu'en fait, je ne drop pas. Je ne drop tout simplement pas sur les bannières. Après, je n'ai pas été chercher sur la bannière de Toshiro, ni Orime. Inamori, pardon. Alors que, grand fan d'Inamori que je suis. Parce que je me dis, enfin, du moins, il peut y avoir du lourd. Et les persos, voilà quoi. Un perso QDG, on s'en passera. Surtout qu'en plus il a eu des soucis dès le jour 1. Ce Toshiro c'est un recyclage. Enfin un recyclage. En termes de skin, c'est un recyclage de ce qu'on a déjà eu. La Inamori c'est une perso qu'on avait que en 4 étoiles, donc encore à la rigueur. Là oui. Mais le Toshiro il me semble que cette version là on l'a déjà. Alors, elle date un petit peu beaucoup. Mais là c'était littéralement du recyclage. Il y a des persos qu'on a toujours pas en Halloween. Du style un Kenpachi Halloween, un Yamachi Halloween. Y'a qui comme perso? Lisa on l'a déjà. Nanao on l'a pas en Halloween. Ritsu, il me semble qu'on n'a pas de version Halloween. Enfin, vous avez compris, il y a pas mal de persos qu'on peut faire. Mais non, ils ont décidé de faire du recyclage. Puis j'ai vu les spé. Ben voilà quoi. Hein. C'est pas terrible terrible. Hein. Oh putain. Il y a eu un petit cut de son. J'ai cru que ça allait me donner un perso. Malheureusement non. Bon, on aimerait quand même en faire tomber un, hein, le jeu s'il te plaît. Je vous avoue, je fais cette petite vidéo parce que je n'aurai pas beaucoup le temps là de faire des vidéos la semaine où cette vidéo paraît. Tout simplement parce que qui dit centre aéré dit comme d'habitude, je vous fais des vidéos à l'avance puisque je n'ai pas beaucoup de temps pour faire du montage le soir. Priorité aux enfants dont je m'occupe. Évidemment. Pour l'instant, il n'y a pas de salaire qui tombe sur YouTube, donc. Évidemment, il n'y a pas de priorité à YouTube non plus. Sinon, je ferai du 50-50, évidemment. Ah, nous avons N perso. Allez, et là, ça met un Tsukishima. N'abusons pas. Qui tu me donnes? D'accord, je sais pas si je laisse P5 avec son 300, enfin son 500 d'attaque. Oui, je mets des doublons sur les persos. Maintenant, je ne les revends plus puisque ça monte la force militaire. Et vu les orbes que donne la force militaire, moi ça me va de les prendre. Donc, les petits doublons que j'ai pas et que j'ai pas mis P5, puisqu'il y a des persos vraiment, des persos de la V1 du jeu, plus personne ne les joue, je mettais pas les doublons, je récupérais 20 000 points de transcendance. Mais bon, maintenant je les mets sur le perso. Parce que force militaire, bah, c'est quand même un petit peu fort. Des 100 orbes par palier de conquis, on va dire. Moi je dis ça se prend. Je pense que je n'aurai plus de personnages sur le restant des tickets. Mais après on a encore quelques tickets accessoires. J'ai rien dit, on a un personnage. Le jeu qui va me faire mentir est là. Aizen. Il a changé Aizen quand même. Hein. Vous trouvez pas? Oh, je crois que je l'ai pas. Oh bah et voilà, session. Rentable. En plus, si je dis pas de conneries, ça, c'est pas un perso drop de potion, ça, je sais plus. Mais c'est un chouet, on va le monter, hein. On va le monter, le tester, évidemment. Mais je suis quand même plutôt content de faire tomber ce perso-là. Nouveau perso, ça se prend. Ça fait 125 orbes qui rentrent. Et comme je stack jusqu'à la fin du mois, en espérant qu'il laisse le système de pity, c'est un portail intéressant. Parce que le système du portail Halloween, là, est intéressant. C'est le système de pity qu'on veut. Mais vu que sur Bleach, oh, j'ai cru que j'allais avoir un perso, vu que sur Bleach ils aiment bien faire changer de portail tous les 2 minutes, à chaque portail ils changent d'avis, bah, on sait pas ce qu'on aura au prochain portail. Ah, il manque un ticket Bref Souls. Il n'y a pas un endroit où je peux en choper un. Échange. J'aimerais bien en choper un. Ticket de loterie. Non, j'ai déjà pris ici. Médaille d'arène. Ticket de loterie. Non. Chronique. Ah, j'ai pas beaucoup. Ouais, j'ai pas. Ah.
que ici. Je peux pas. Ah, attendez, on peut pas changer de. Des petits sacs là. Si. Ouais, mais là c'est. Ça fait beaucoup quand même. Pour si peu. Bon, allez, hein. C'est vraiment pour la vidéo, les gars. Hein. Sinon, je l'aurais jamais fait. Hein. Il va chercher le petit ticket qui est là. Vraiment, tout ça pour rien avoir, je vous jure. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Allez, on est reparti. Ah là là. Alors, on a dit. Petite fois 100 ici. Et c'est parti. À 5 étoiles, le chapi bleu, peut-être enfin. Bah déjà, ce sera pas le chapi bleu, parce qu'il n'y a pas de 5 étoiles. Ça fout la haine, ça. C'est super long à stack, en plus. T'as rien, ça fout les boules. Bon, bien évidemment, je passerai tout ça. Ça cut la musique à ce moment-là, puisque je sais pas pourquoi, quand on est dans les accessoires, ça cut la musique. Hein, c'est nul à chier. Nul à chier, mais tant pis. On fait avec, hein. Je dois attendre un peu dans la journée, là, pour vous faire le showcase du Shuei. Parce que j'ai plus de tickets pour faire du farm. Et je n'utilise pas mes orbes pour refill. J'ai plus assez d'orbes en stock pour faire ça. Donc tant pis. Donc on va voir ce que ça donne. En espérant quand même faire tomber un 5 étoiles dans les objets, même si c'est très rare, on le sait. On va faire tomber le petit chapi bleu, hein, évidemment. On y croit très très fort. La question c'est bien d'y croire, mais... Est-ce que le jeu a envie d'y croire aussi avec moi? Ça c'est une autre question. Je suis désolé, j'ai un petit peu mal à la gorge, je sais pas ce que j'ai. J'ai un petit truc coincé. Rien de grave, mais... C'est juste chiant, quoi. Bon. J'ai bientôt fait la moitié des tickets, les gars. Est-ce qu'un 5 étoiles, ça peut tomber? Parce qu'en vrai, il me manque que le chapi bleu, et après, il me manque pas beaucoup d'accessoires, quoi. C'est ce qui est un peu chiant. Hop. On a fait la moitié des accessoires. J'y crois moyen, les accessoires, je vous rassure, j'y crois très très peu. Si ça tombe, ça tombe, c'est bien. Mais si ça tombe pas, tant pis. Les tickets personnages, j'y crois un peu plus, parce que ça tombe quand même un poil plus. Là, on a eu quand même le... Bah, le Shuei, et le deuxième, c'était qui? Qui était nul tiers. Et ben, je ne sais déjà plus. Comme quoi, il m'a bien marqué. Ah, c'est Tosen, c'est The Mouche. C'est la Mouche, le Mouche. On aime bien ce perso, on l'aime bien. On l'aime bien au village, il est cool. Alors ce que ça donne, hein. Bon, par contre, je vide mon stock, mais il faut. Ce serait quand même cool d'en donner un, non? Ça tombe pas beaucoup chez vous, hein. J'ai connu déjà plus généreux, hein. C'est long, mais tant pis, on fait avec. Hein. C'est le plus chiant dans les accessoires, c'est la vieille animation de merde que tu peux pas skip. Faudrait pouvoir skip s'il n'y a pas de 5 étoiles. Mais vu qu'ils ont taffé sur ça, il y a 8 ans, et qu'ils sont refaits d'avoir leur petite animation de merde, eh ben on se tape à chaque fois, le truc va devoir passer. Hop. Et voilà, j'ai rien eu. Du coup, inventaire. On aura quand même eu. Alors, si je mets 5 étoiles, filtre, acquisition, décroissant. On aura tout de même eu le Shuei et le Tosen. Alors, Shuei, nouveau perso, ça fait plaisir. Tosen, on va aller le mettre sur son... On va même aller voir là. Hop, je vais remettre mes persos bien comme il faut. On va voir si Tosen... Il a ce qu'il faut. Bah, un de ces quatre, faudrait que je passe dans mes persos, mais je veux pas utiliser tous mes cristaux d'XP sur eux. Ça m'emmerderait un peu. Alors, le Tonsen. Tonsen. Eh ben voilà. Ça va faire 10 points en plus. Dans la force militaire. On va bien monter les compétences. J'essaierai de trouver un moment où je peux monter les...
les niveaux de mes persos pour augmenter ma force militaire, parce qu'elle est pas loin de monter en fait, ma force militaire, si je voulais dans mes ordres. Bah, je crois qu'il manque 20 000 points, quelque chose comme ça. Force militaire, là. Je suis à... 1, 2, 3, 0. Je suis à 2 500 000. Ah mais, il manque 200 000 en fait, pour avoir 100 orbes. Et 100 orbes, ça se prend. Et je viens de voir que dans 2 jours, j'ai 30 orbes. Nice. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez, si vous avez tické. Si vous avez tické des poules. Si vous avez poules des tickets premium. Et nous, on se retrouve prochainement dans d'autres vidéos. Sur ce, ciao.